tu bois 89 millilitres et pas 90. Bonjour les parents, ce que vous venez de voir n'a rien d'anormal. Ça s'appelle le baby blues. Les crises de larmes en sont l'un des principaux symptômes. Eva, qu'est-ce qui va pas? Mais tout va bien, c'est ça le problème. C'est trop beau. Alors là, messieurs, ne cherchez pas à comprendre. Restez à l'écoute, sinon... Mais pourquoi c'est un problème d'aller bien? Mais tu comprends rien, t'es bête quoi? Mais de quoi on parlait déjà? Les trous de mémoire sont fréquents quand on est fatigué. Les sauts d'humeur et l'irritabilité aussi. T'es bête. Non, carrément. C'est bon là, arrête avec ta pitié, hein. Ça commence à me taper sur le système. Quand vous en arrivez à ce point, faites-vous aider. Bonjour madame, je suis Isabelle, psychologue. Qu'est-ce qui vous amène? Je m'imaginais que ce serait un bébé parfait, avec la peau lisse. Et en fait, il est tout fripé. Culpabilité. Je me dis que j'ai dû rater quelque chose, que je dois pas être à la hauteur. Culpabilité. Je me sens si seule. La culpabilité, la solitude, le manque de confiance en soi et l'impression que tout est bouleversé est tout à fait normal. La chute hormonale que vous subissez juste après l'accouchement en est en partie responsable. Néanmoins, ces sentiments d'échec et de mélancolie ne doivent pas durer plus de quelques jours. D'ailleurs, le baby blues part comme ça, aussi rapidement qu'il est arrivé. Bonjour Angélique, je suis ton baby blues. Je viens t'informer de mon départ ce jour, ma mission auprès de toi ayant été accomplie avec succès. Non mais il est cloté ce baby blues. En gros, il t'annonce qu'il est venu exprès te déboussoler comme ça, par plaisir, et du jour au lendemain, il te lâche. Mais c'est dégueulasse. Qu'est-ce qui se passe? Où j'étais? Je me souviens plus de rien. Ça va, bébé? Je me sens bien tout d'un coup. Je me sens heureuse. Allô Karine? Oui, c'est moi Angélique, ça va? Ça te dirait qu'on aille faire une sortie avec les enfants demain au parc à 10h?